soigne très bien les mycoses buccales. Elle a une mycose buccale terrible. Et voilà comment ça se présente un film qu'avec des mycéliums de candidats du camp. Donc la personne, les gens se sont très rouges, enfin les fameuses énormes framboisées, et ça brûle, et ça va pas, les gens sont crevés, ils sont malades. Mais il faut nous les envoyer parce que alors là par contre c'est du boulot. C'est pas la fin JSON qui va suffire. Il faut vraiment regarder leur alimentation, comment ils vivent, c'est tout un boulot. Parce qu'en fait c'est une baisse immunitaire, des fois c'est psychologique, des fois il y a eu vraiment quelque chose de terrible derrière. Et en général, quand on est dans la bouche, c'est pas très simple à prendre en charge les mycoses buccales. Ça, c'est un autre type de champignon qu'on voit aussi, c'est le Vigilotricum. Vous voyez, il n'y a rien qui bouge. Donc, c'est hyper important d'avoir un microscope, de pouvoir faire la différence. Bon, maintenant, les mycoses, on a tellement l'habitude, moi, quand quelqu'un arrive, je vois tout de suite ces mycoses. On va regarder quel type, parce qu'on ne va pas forcément donner le même antimycosique. Voilà. Et au passage, on voit justement de la fleur de sel aussi. Tout ce qui est immobile, à part les grands filaments, c'est la fleur de sel de la bouche. Parce que là, ils ont une fleur de sel, plus le candidat qui va envahir. Elle, c'était vraiment rouge, c'était visible, elle avait mal. Ils ont la perlèche, la langue, soit très blanche, soit très rose, foncée, hein, framboisée. Elle avait perdu des implants. Enfin, elle avait plein de problèmes, cette dame. Et il fallait reconstruire sa bouche, on ne peut pas reconstruire une bouche comme ça. Et puis, ça ne sert à rien d'aller curter la dame. Parce que ça va guérir autrement. Là, on va le simuler au laser. Des fois, il n'y a presque pas de poche. Et les blessures qu'il y a, il ne faut pas les toucher. C'est un cas particulier. Hein. Tout le monde a pas. Mais il y a pas mal de candidoses locales. Hein. Par exemple, là, c'était l'hiver. Et avec toute l'année qu'on a passée très fatigante, alors la quantité de gens qui étaient malades, qui avaient des candidoses locales, c'est énorme. C'était vraiment le moral, les chaussettes, la baisse d'immunité, etc. On les booste. Autant qu'on peut.